Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une recette indienne qui s'appelle roti. Donc on s'en va à l'épicerie tout de suite, on va aller chercher les ingrédients qu'on a besoin, puis après ça on va retourner à l'appartement, on va faire les rôtis, puis après ça on va aller manger aussi, puis il va y avoir Vijay, mon copain qui est indien, qui va être avec nous pour nous aider. Par exemple il parle anglais. Donc, il va falloir, des fois je vais traduire ce qu'il dit, sinon c'est quand même simple, les ingrédients et tout. You can say hi! Bonsoir! Comment ça va? Bien, très, merci! Okay, we're done. You can go home. Finally! Donc, pour faire les rôtis, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est quand même important l'essentiel qu'on utilise. Donc, on commence ici par le chocolat. Ensuite, on a le bol pour mettre les rôtis dedans. On a le rouleau à pâte, le beurre, le gros bol pour faire le mélange. On a la farine qui est vraiment important qu'elle soit quand même assez épaisse, là, pas trop fine, sinon ça ne va pas fonctionner. On a la grille aussi qu'on a besoin pour faire lever les rôtis. Puis la panne qui a vraiment besoin d'être plate. On va mélanger de l'eau avec de la pâte, puis on va chamailler un peu à la fois jusqu'à temps qu'on ait une pâte assez consistante. Okay guys, yeah. So that is pretty much done. Là, on va prendre des petits morceaux de la pâte, on va l'enrouler. Ensuite, on prend les boules puis on les met dans la farine, comme ça ils vont pas coller. On va l'aplatir avec nos doigts, comme ça va être mieux pour quand on va prendre le rouleau à pâte. Quand on sent que le rôti a la bonne épaisseur, bon ben ça veut dire qu'on va être prêt pour le mettre sur la panne. Quand on voit qu'il est assez grillé sur la panne, c'est là qu'on va le mettre sur la grille. Maintenant on peut voir qu'il se gonfle un peu. Fait que c'est là qu'on sait que ça va être les meilleurs. Donc là maintenant on va prendre le pain, on va mettre puis là ben on laisse dedans, comme ça ça va vraiment aller un peu. Puis on va pas comme un bon. On to the next one. On refait le nombre de rôtis qu'on veut avec notre appétit. Nous on a fait 8, c'est à peu près 2 à 3 par personne. Puis nous on voulait avoir des restes de temps pour un. Le verdict.